Voilà la première demi-finale dans la catégorie des pupilles garçons maintenant qui vient de s'extraire de cette grille de départ. Dordoni Enzo, Pernet Fontaine, pilote de E26. Prochop prend l'avantage tout de suite dans le premier virage. On devrait pouvoir retenir de plus haut le Dardiois. Il est à la deuxième position. Là aussi on s'organise sur les arrières. De plus, je vous disais donc toujours deuxième, troisième place avec Agosti Victor. Le pilote des Angles, le trio de tête vient de se former pour cette catégorie des pupilles, notamment cette première demi-finale. Sur les arrières, c'est Cournon. Le club de Cournon, c'est Girodet Noah qui est à la quatrième place. Le CR4C, Juan Mabi, essaie de revenir avec la plaque 04. 04, 2, 4, 1, Tristan pour le CR4C. Il a fait le forcing, notamment dans le dernier virage. Rentre à la quatrième place de cette dernière ligne droite et se qualifie. Allez, un nouveau départ, une nouvelle demi-finale. Piedzanowski, Alexis Orsine, la plaque numéro 57. Il est dans les inters. Il devrait prendre tout de suite l'avantage. Camadrien, Gerza sur l'extérieur, là-bas. Il prend le meilleur. Piedzanowski se retrouve donc maintenant en deuxième position. Toshi Romain, les Pen Mirabeau, est à la troisième place. Le trio de tête essaye de se former. Il y a deux garçons qui reviennent sur les arrières, notamment Farting, le pilote d'Orange, qui est dans les intérieurs, qui devrait accéder lui à la quatrième position sur l'extérieur. Cournon d'Auvergne avec Riward Tanguy essaie de rentrer aussi. Il pédale sur l'extérieur du virage. Et notamment de ce deuxième virage, accède à la quatrième position, on aborde la dernière virage et la dernière ligne droite avec toujours en tête le Gamma Adrien, le club de Gerza qui va se qualifier avec la Pelle Mirabeau. Toshi Romain est à la deuxième position. Je vous parlais de Cournon d'Auvergne, il accède à la troisième place. Le club de Cournon, ça n'est autre que...